Salut les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le tout nouveau format de la chaîne à la découverte de l'étrange. Un nouveau format où on va parler des légendes urbaines, de mythes et plein d'autres réalités. Aujourd'hui dans cet épisode nous allons parler du Reik, un monstre humanoïde qui tue des gens dans la région des États-Unis. Mythe, réalité ou légende, c'est dans cet épisode qu'on va essayer de tout décortiquer. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite tout bonnement de t'abonner et d'activer la cloche. Et bien sûr de liker et de partager et nous, place à la découverte de l'étrange. Allez, c'est parti. Ans, je revenais d'un voyage aux chutes du Niagara avec ma famille pour le 4 juillet. Nous étions tous fatigués après une longue journée de conduite. Alors moi et mon mari avions mis les enfants directement au lit, et nous de même. Vers 4h du matin, j'ai été réveillé. Je me disais que mon mari était allé aux toilettes. J'en ai profité pour prendre un peu les draps, mais ça l'a réveillé. Je me suis excusé en lui disant que je le croyais sorti du lit. Quand il s'est tourné face à moi, il a sursauté et sorti le pied hors du lit si vite que son genou m'a heurté presque assez fort pour me faire tomber. Puis il m'a attrapé sans rien dire. Après m'être habitué au noir de la chambre, j'ai pu voir ce qui a causé cette étrange réaction. Au pied du lit, assis et regardant au loin, se trouvait ce qui ressemblait à un homme nu, ou une sorte d'énorme chien sans poils. Sa position corporelle était dérangeante, pas naturelle. Comme si une voiture l'avait heurté ou quelque chose du genre. Mon mari se tenait recroquevillé le plus possible, en position fœtale, le regardant de temps en temps avant de fixer la créature. En un clin d'œil, la créature a fondu sur un côté du lit et a rampé rapidement le long du lit jusqu'à être à quelques centimètres de mon mari. La créature est restée silencieuse pendant 30 secondes, peut-être seulement 5, mais ça a paru long. Elle continuait de regarder mon mari. Puis elle a posé sa main sur son genou et s'est enfuie dans le couloir, vers la chambre des enfants. J'ai hurlé et foncé vers l'interrupteur pour l'empêcher de blesser mes enfants. En arrivant au couloir, la lumière de la chambre était assez puissante pour le distinguer. Accroupi à 7 ou 8 mètres de moi, il s'est tourné et m'a regardé directement, couvert de sang. J'ai allumé la lumière du couloir et j'ai vu ma fille Clara. La créature a descendu les escaliers. Alors que mon mari et moi courions vers notre fille. Elle était gravement blessée et n'a dit qu'une seule chose avant de nous quitter. C'est le Reik. En amenant notre fille à l'hôpital, mon mari a conduit jusqu'à un lac cette nuit-là. Il a été porté disparu. Comme nous vivions dans un petit village, les nouvelles se sont vite répandues. La police nous a d'abord aidés et la presse locale s'est beaucoup intéressée à notre cas. Cependant, l'histoire n'a jamais été publiée et la télévision locale n'a pas non plus suivi. Après quelques mois, mon fils Justin et moi vivions dans un hôtel près de chez mes parents. Après avoir décidé de revenir à la maison, j'ai commencé à chercher des réponses. J'ai finalement trouvé un homme dans la ville voisine qui avait vécu une histoire similaire. Nous avons pris contact et partagé nos expériences. Il connaissait encore deux personnes à New York qui avaient vu la créature qu'il nommait le Reik. Cela nous a pris 2 ans tous les quatre, après des recherches sur internet ainsi que la rédaction de nombreuses lettres, pour arriver à une petite collection de témoignages sur le Reik. Un journal mentionnait la créature dans ses 3 premières pages, et ne l'a plus jamais mentionné par la suite. Un journal de bord n'a mentionné que sa rencontre, et l'ordre de partir de la part du Reik. C'était la dernière entrée du journal. Il y avait cependant certains témoignages qui comprenaient un certain nombre de rencontres avec le Reik. Plusieurs personnes disaient aussi qu'elle lui avait parlé, comme ma fille.
Cela finit par nous conduire à nous demander si le Reich nous avait rendu visite avant nos dernières rencontres. J'ai mis un enregistreur digital près de mon lit et l'ai laissé enregistrer toute la nuit, chaque nuit, pendant 2 semaines. J'ai scanné scrupuleusement chaque bruit de moi-même bougeant dans le lit à chaque réveil. Au premier jour de la 3e semaine, j'ai cru avoir entendu quelque chose de différent. J'avais trouvé une voix stridente. C'était le Reich. Je n'ai pas pu l'écouter assez longtemps pour commencer à le transcrire. Je n'ai laissé personne l'entendre pour l'instant. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai déjà entendu. Je crois qu'il a parlé quand il s'était assis devant mon mari. Je ne me rappelle pas avoir entendu quelque chose cette fois-là. Mais pour une raison inconnue, la voix de l'enregistreur m'a rappelé instantanément ce moment. Les pensées qui ont dû traverser l'esprit de ma fille m'ont vraiment mis en colère. Je n'ai pas revu le Reich depuis qu'il a ruiné ma vie. Mais je sais qu'il est dans ma chambre quand je dors. J'ai peur qu'un jour, je me réveille pour le voir me regarder dans la nuit. Le Reich, c'est cette entité qui hante votre sommeil. C'est cette présence dans votre chambre. C'est cette étrange impression de ne pas être seul, et qui finit par devenir réelle. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette légende urbaine sur le Reich. Ne soyez pas étonnés au ton de ma voix. Cette voix a été changée à l'aide d'un égalisateur pour que l'histoire soit un peu plus prenante et que le ton soit un peu plus mature en vue de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, de partager, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne louper aucun épisode de À la découverte de l'étrange. Et nous, on se retrouve prochainement pour d'autres strates d'horreur. Et bien sûr, d'autres À la découverte de l'étrange. C'était Kevin. Allez.